La ronde 2 du challenge qui va commencer. On envoie le G à la chef. On sait pas contre quoi on joue. On va regarder si on a... Si on peut avoir une petite idée. Pionnier. Il jouait Titan Shift. Ouais, il joue Titan, lui. Lui, il a toujours joué Titan. En 2019, il jouait Titan, lui. Est-ce que c'est gardé, cette main? On a un Fire Ice. Alors, ça, ça va chercher... Ça va chercher du bleu. Ça va chercher Spara Headquarters. Ouais, Kips. Hein. Let's go. Hein. Let's go. Bien reposé, ouais. Salut, Sopalin. Il est beau, ton badge. Puisque tu ne l'as pas demandé, je te le dis. Arid Mesa. On va prendre le Headquarters. J'aimerais bien un mana bleu, en fait. Mais il n'y a pas grand-chose de bleu et autre chose. Je peux pas prendre Ziatora Playground. J'aurais bien pris la rouge pour ça, mais... Est-ce qu'on peut supposer Blood Moon? On a la Force of Negation pour Blood Moon. Le plus beau, c'est tous les badges de chaîne qui existent et existeront. Ziatora Playground. Avec Arid Mesa, un Ziatora Playground avec Arid Mesa. C'est un peu suspect. Ça ressemble à une version Bean. J'ai peut-être envie de faire Ice sur son land, tour 2. Je pense pas utiliser ça autrement. S'il joue Ziatora Playground, il joue pas Blood Moon. Je vais aller chercher Steam Vents. On engage le land. On fait peut-être un Teferi nature. Après Teferi, ça prend... Montagne. Peut-être Creativity, ouais. On peut faire Ardent Plea, là. Trop de soucis. On va commencer à déployer du haricot. On sait pas s'il joue Cascade ou s'il joue... Soit il joue Cascade... Soit il joue Creativity, ouais. C'est vrai qu'avec Arid Mesa, un Fetch rouge, il n'y en a pas beaucoup des Fetch rouges dans les listes, je crois. Dans les listes que je viens de vous montrer, il y a très peu de Mesa. Hein. Très souvent, c'est Wooded. Il y a les Fetch blancs et les Fetch verts, parce que la base est vert-blanc-bleu. Donc c'est très peu probable qu'il joue ça. Après, cette forêt indique peut-être le contraire. Il joue Blood Bradel, je fais Teferi plus, c'est go. Hein. Zéro risque. Grul Scape Shift. C'est vrai que je vous ai dit qu'il jouait Scape Shift. Orsiche. Ouais. June midrange.
Jhin midrange. Ça existe, ça? Ok, on va regarder. Orsich. Bowmaster. Arid Mesa. On va essayer de bien jouer quand même. Ziatora. Oui, moderne. Any format. Non, moderne, juste. Le 209, Glorious Vengeance, Mardu Stoneblade ou Jund. C'est ce que ça me donne, ça. Moi, ça me donne ça. Il n'y a pas forcément de Fury Main Deck, du coup, si c'est cette liste. À quoi on peut s'attendre? Je regarde juste les deux autres listes à côté. Oh, c'est pas du tout un deck Atraxa. Ça peut être un Mardu Stoneblade, mais il y a une forêt, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a forêt aussi. Forest. Ouais, ça laisse pas beaucoup de solutions. Il y a Kiki Cord aussi, mais... Juste faire le plus de tef, hein, je crois. Et go. Perds pas trop de temps, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais en fait, c'est pas pareil. Parce que là, là, je connais mon deck. Par rapport à hier, où je connaissais pas mon deck, ça a un peu changé, quoi. En tout cas, il joue probablement pas cascade. On sait que Orsich Bowmaster, ça veut dire probablement pas cascade. J'ai trouvé la liste, c'est Jhin Saga. Ouais, mais c'est ce que je viens de vous dire. Je peux vous mettre le... Je peux vous mettre le lien dans le chat, hein, mais je viens de vous la montrer. Vren. On va dire non à Vren, non? J'ai envie de tuer ça ou pas? Ça meurt déjà sur Solitude en fait. Gardez le Shardless Agent. On va juste contrer ça. Le truc c'est que je pioche sur Beanstalk. Ouais, je suis pas sûr s'il faut... Ah, il peut pas jouer pendant mon tour. Je suis pas sûr d'avoir joué parfaitement bien celle-là. J'aurais peut-être dû faire Solitude tout de suite. Ah, j'aurais peut-être dû caler Solitude, Solitude tout de suite, honnêtement. J'ai eu peur que ce soit un deck plutôt cascade, vu que c'est à la mode. Ouais, j'aurais juste pu faire Solitude Cash. Bon, c'est pas non plus un désastre, mais...
Ok, normalement on prend pas trop cher. On peut bloquer la 2-2. S'il a un autre... un carne. Un carne. Nani. Nani. Là il m'a perdu. The Great Creator, je crois que là on est foutu là. What the fuck? Il a pris One Ring. What the fuck? C'est Jund avec une Karn box. Ok. Oh, ça nous dérange pas plus que ça, si. Il a un ring. Ah, je pense que ça nous dérange pas plus que ça, honnêtement. On va faire tellement de value que One Ring, c'est une carte du passé, en vrai. On va cut ça. 1, 2. Solitude ou Lauren Rivet? Je vais garder Lauren Rivet. Ondre 3. Hop. On attaque le Karn pour 4 avec le Ardent Pli. Ouais, quand une créature attaque alone, elle prend des bonus. Alors le plus de TF. On peut poser un Beanstalk. On peut poser ça. On va garder les line binding. S'il fait ring pour piocher, on va faire binding sur le ring en réponse. Ça devrait être la concession. Ouais. En fait, si t'exiles le ring en réponse à son trigger, vu qu'il prend jamais le marqueur burden. Il ne pioche pas. Bon, on devrait être bien là. On est tout en haut du haricot là. On devrait être arrivé en haut là. C'est trop. Bon, à chaque fois qu'on joue un spell, on pioche 4. Et vous savez qu'il y a, pas mal de decks qui jouent maintenant Back to Nature, Destroy All Enchantment. Justement parce qu'il y a des decks Beanstalk partout. Saisie. Ça me choque pas. Non, j'en ai vu des Back to Nature. Non, mais c'est une bonne carte Back to Nature en vrai. Disons que on se plaignait du One Ring, mais Up the Beanstalk Cascade, ça pioche plus que One Ring quoi. c'est ce qu'il faut un peu retenir du truc, c'est que ça pioche plus que le One Ring en fait. Ça te met pas 12 aussi? Vren, ça peut résoudre. Faut juste pas trop piocher, mais on devrait le faire. Ok, fin de tour, je draw 8, c'est ça. C'est à GT Ferry, donc je peux jouer ça en éphémère. Cinq mana draw 7. Eagle?
Eagle, c'était dans la liste de base. C'est pour avoir une carte blanche de plus sur Solitude. Et c'est du plain cycling. On va juste terminer la game maintenant qu'on sait ce qu'il joue. S'il joue Scape Shift. Non, là, de toute façon, on a contre infini. On va juste lander un prairie stream. Le score est à 5-3. Non, c'est les mana traders, ça commence à 16h. Ça commence dans 2h, les mana traders series. Il joue Dwarven Mine. What the fuck? J'ai pas mis pause. Pourquoi ça m'a pas mis pause avant les blocs? Bête. Il peut quand même creativity, hein, ça veut dire. Ok. On va jouer plus vite, on va défausser les fetch. Ouais, du coup, on aurait pu comment dire le Vren aussi, mais on... Je pense pas que ce soit hyper important. On va juste jouer vite, histoire de pas se faire bully. Apparemment, il joue une version un peu hybride. Comment il joue Creativity avec Orsich? Non, il joue pas Creativity. C'est quoi sa liste des enfers, là? Ça existe, ça? Vren, Karn, Dwarven Mine, Orsich Bowmaster. Donc, il n'y a pas de creativity s'il y a Orsich. Scape Shift! Je comprends plus rien. J'en prends le contrôle. Que je sacrifie des landes. Figure-toi que non. Pourquoi il me monte ma bibliothèque? Pourquoi il me monte ma bibliothèque? De ma bibli, moi. Fin de tour, on va faire ça. La cloque, ouais, non, c'est bon. C'est pas comme si je pouvais vraiment perdre cette game en vrai. Et en effet. Je sais pas pourquoi il m'affiche ma bibliothèque en fait. C'est la première fois que je vois ça, hein, qu'il affiche la bibliothèque. Il reste un breeding pool du coup. Une sacrée fonderie. Est-ce qu'on attaque Vren? Non, on l'attaque lui juste.
Il va nous fetch une 1-1. Il a pas fetché de 1-1. On a 14 cartes en bibliothèque. On est bon. Oh, on peut faire un binding sur la 1-1 quoi. Ou une solitude. Merci, n'oubliez pas de soutenir les streamers. Merci beaucoup. Ok. Alors, ça joue Karn. Ring. Ça joue Karn avec Ring en side. Scape Shift. Il m'a perdu. Hein. Lui il m'a vraiment perdu. Scape Shift. Orsich. Vren. Canon 6. Karn. Great Creator. C'est ce que j'aime bien avec Modo, c'est que tu peux. T'as vraiment le temps d'analyser. Il n'y a aucune liste qui joue ça. C'est le premier gars. Avoir inventé ça. Le 7 février de cette année. Il y a un deck Titan Shift qui a vu le jour. Bon, ben on va s'adapter. J'ai pas l'impression qu'il nous tue avec des créatures, honnêtement. Ah, il y a des Orsich Bowmaster, mais bon. Qu'est-ce qu'on veut garder ? On veut des Force of Negation et des Commandeer. En vrai, Force of Negate, Commandeer et Subtlety, ça a l'air pas mal. On veut des Fire Eyes pour les Orsich. Il nous a pas montré Ragavan, mais il y a peut-être Ragavan aussi. Ragavan. Je pense qu'il est capable de nous mettre des Ragavan dans sa liste. Hein. Même pas sûr que Teferi soit si fort que ça. Ah, j'ai fait un peu à la louche, mais... On a probablement assez de removal pour Orsich Bowmaster. Le truc, c'est qu'il peut pinguer Teferi avec Fury. Il peut avoir Calice. Calice à 1. En vrai,
Le score de la game, non, tu le vois pas. Je sais pas si tu le vois. Non, je crois pas qu'on puisse le voir, le score. À droite dans le chat, là. Normalement, tu l'as là, tu sais, t'as tout le chat textuel. Qui te dit ce qui s'est passé. Tu peux remonter le chat pour avoir le score. De mana, Vren sans fetch, c'est ok. Mon stylo est pété, quoi. J'ai cassé mon stylo. Ah, j'ai dit que c'était ok. J'ai pris un. Je sais pas s'il y a eu un bug tout à l'heure, ça a affiché la bibliothèque constamment. J'aurais pu faire Tapland et aller chercher... T'as des fosses. Instant or sorcery. Ah, ça défausse, c'est un time warp du coup. Ah, le problème il est sur les manettes Trader Series. Là, à l'heure actuelle, on est à 1-0 sur le. Ah ouais, tiens, je vous avais pas mis le score en fait. On est à 1-0 sur le Modern Challenge. Today we are playing Moderns. Thunder Lounge. Ça m'étonnerait qu'il joue Blood Moon dans son deck. À partir du principe qu'il joue pas Blood Moon dans son deck. dans son deck Valakut. Est-ce que c'est un bon principe? Je pense que oui. Ouais, comme ça, on a un 2-2 qui peut commencer à attaquer Vren. On peut même le passer 3-3 avec Ardent Plea au prochain tour si besoin. Donc Jules, non, demain, enfin tout à l'heure là, à 16h, je vais jouer avec le deck de 67 cartes au lieu de 70. Ok. Les haricots contre... Le One Ring, who is the best? What? Il cache une Vren comme ça, la que boss là? En même temps, il allait mourir son Vren, c'est vrai. On peut bouncer One Ring avec Teferi. Ça l'oblige à le rejouer. En vrai, Steferi, je pense pas qu'il fasse grand chose dans cette game. Il s'est passé que sur l'interface Mana Trader, ça m'a pas actualisé les 3 cartes de Lord of the Ring. Et du coup, sur l'interface Mana Trader, j'avais un deck, j'avais que 67 cartes sur les 70 de listé. J'ai pas fait attention que les cartes de LOTR c'était pas uploadé. Et donc je dois continuer le tournoi avec 67 cartes. Il me reste 3 petites rondes avec 67 cartes aujourd'hui. Ok, il a pas reposé le One Ring, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous ça. Ok, Dryad. Ok, donc Scape Shift sans Dryad, c'est moins fort, on est d'accord.
C'est pour ça qu'il y a eu une ronde retardée. Notamment, ouais. C'est notamment pour ça qu'il y a eu une ronde qui a été delay. Ok, on monte le haricot. On va enlever un de ces hommes nat, je pense. J'allais dire, ce serait bien de piocher un binding. Ce serait bien quand même de piocher un binding au cas où il ait une deuxième dryade, par exemple. Est-ce qu'on meurt sur Scape Shift? If you control at least 5 other mountains. Non, hein, c'est à 7. Hein. Il manque un land pour qu'on meure sur Scape Shift. Il y a 3 cartes en main, dont un ring. Avec plaisir. Prochain tour, on peut faire Omnat, tour supplémentaire. Je les ai pas tous sortis, les tours supplémentaires, si. On a les Time Walk. Hop. Donc là, prochain tour, on fait Omnat. Vert, blanc, bleu, rouge, fetch, bring to light. On rejoue et on gagne. Easy game. En espérant... Ah non, ça marche pas s'il fait One Ring. Ça marche pas, on peut pas le tuer s'il fait One Ring. Par contre, on peut bien se développer, quoi. On peut aller chercher des contres et se développer correctement. On laisse piocher sa carte. Je pense qu'on laisse piocher sa carte, mais on va chercher les contres. J'ai mis les deux endurances. Il y a une endurance pour remélanger mon cimetière, ok. Je suis un boulet. Je crois que je suis un boulet. Du coup, je peux pas bring to light avec du noir. Si. Vu que j'ai la Godless Shrine qui est là. Je peux pas jouer un tour supplémentaire là. Je peux pas jouer un tour supplémentaire. Passer à 19. Normalement, ça met que 18, hein, Scape Shift. C'est ça, hein. Scape Shift, ça met... Ah non, je vais perdre un du Windswept Hills. Ah, je meurs sur Scape Shift. Donc, faut que j'aille chercher une solution. Faire bring to light dans... En solitude. Et non, je peux pas. Yet. Ouais, cette Godless Shrine est en train de me plomber, en fait. Ouais. Passer à 18. Ouais, je meurs sur Landscape Shift. Je meurs sur Landscape Shift. On va essayer de trouver...
Et on a trouvé Solitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais caster Solitude sur Omnath. Ah, faut jouer précisément pour être sûr de pas mourir. On va exiler Omnath et on va aller rechercher un Omnath. On a trouvé le comment dire. Donc je peux contrer un Scape Shift et draw 2. Et je peux subtlety un... Je peux subtlety un Orsige Bowmaster. Normalement, ça devrait être bon. Ça sert à rien d'attaquer parce qu'il y a le One Ring. On va juste défausser des landes. Un bin. Pas trop mal ça. If you cast it, est-ce que j'ai la protection? C'est pas moi qui les cast. C'est lui qui la cast. J'ai pas la protection si. Si parce qu'il l'a casté, d'accord. Cool. I like it. C'est trop. C'est trop broken. Bah du coup, je vais piocher avec. Hein. Ah comment dire, quand tu pioches sur Beanstalk, t'as l'impression d'être un peu le roi du pétrole en vrai. Hein. Bah, vraiment là, c'est sans appel quoi. Bah t'es pour deux cartes. Tu lui prends sa carte. Tu pioches avec. Y a pas trop de... Pas trop de subtilité, quoi. On va juste jouer safe pour être sûr de pas se faire escroquer. Normalement, c'est pas possible, mais... On pourrait piocher avec Lauren's Reveal. En vrai, on peut piocher avec Lauren's Reveal. Et là, je pense pas qu'il puisse nous arriver grand-chose. Alors, on va défausser. Pioche 1, ça marche. Tu as 26 cartes en bibliothèque. One Ring, on va juste faire une Force of Negation. Non, bah on peut dire... Ah mais non, parce qu'il va gagner protection. Plus Force of Negate. Ah, réseau. Il essaie probablement juste de gagner du temps avec son Wooded Footil. En vrai, je vois pas trop de...
On va juste faire Draw During, Time War. Attaque, attaque. Et on est bon. Peut nous arriver de pire. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Faut juste avoir le temps de défausser en phase de clean-up, quoi. 1, 2, 3. C'est un bulldozer ce deck. En vrai, quand c'est lancé, c'est vraiment un bulldozer. Ça met un peu de temps à se lancer. Mais une fois lancé, c'est inarrêtable. C'est vraiment... une fois que t'as 2-3 Beanstalks sur le board et que tu joues des spells gratuits, c'est juste inarrêtable. On voit la différence de puissance entre son deck et mon deck. C'est... Il fait des Planeswalkers qui font un peu de value. Et moi, c'est la bulldoze, quoi. Ronde numéro 3 qui commence dans 2 minutes. Le temps de se faire un petit café.